Et s'ils mettent un pied dans la chambre forte, je vous fais abattre. Compris, boss. On triple la sécurité. Les démons toucheront à rien. Écoutez-moi! Les démons s'en prennent à toutes nos planques! On en a déjà perdu deux cette nuit! Le boss est peut-être en tôle! Mais personne touche à ses affaires! Aigle 2, tout va bien? Aigle 2 au rapport, RAS. Quel genre de planque cherchent les démons? Il faut que je neutralise les hommes de Fisk et que je découvre ce qui protège. Quoi que ce soit, je veux pas laisser ça entre les mains de Fisk, ni celle des démons. Il y a des snipers partout. Je trouverais comment? Beaucoup de détritus par ici. Un peu de toile lancée au bon endroit pourrait faire une jolie diversion. Et sous 20 ans seulement. Elle a eu un paquet de propriétaires avant lui. Contrebandier dans les années 20. Vous avez entendu ça? Sérieux? Il est là! Ouvrez le feu! T'aurais dû rester où? Vous savez qu'il est interdit d'entrer chez autrui et de fouiller sans autorisation. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai apporté un mandat. Alors que diriez-vous de faire une fouille parfaitement légale? Ça me paraît tout à fait honnête. C'est quoi votre nom? Je suis l'agent Davis. Appelez-moi Jeff. Et vous êtes... Je vous fais marcher. Mon fils est un vrai fan. Dites, votre mandat, il autorise à forcer les portes? Seulement au prix d'une montagne de paperasse. Je vois. Je vais faire autrement. Dans les endroits comme ça, il y a toujours un trou dans un mur ou dans une fenêtre cassée. Jetez un œil derrière. J'irai bien moi-même, mais bon, je suis pas Spider-Man. Thank you.
Bon. L'avant est bien verrouillé, mais je suis sûr que le reste est beaucoup mieux. On se croirait dans un film d'horreur. Je vais me retrouver face à des pêcheurs maudits avec des crochets à la place des mains. Jeff, vous êtes là ? Je fais de mon mieux pour éviter les blagues à base de toc-toc. Je vous remercie. Vous voyez une boîte de raccordement qui alimente la porte ? Ouais, je m'en occupe. Si on peut la faire disjoncter, la porte devrait s'ouvrir. Bien vu. Malheureusement, j'ai rien qui soit assez puissant. Essayez ça. Un pistolet à impulsion électrique ? Génial. Ces condensateurs vont me permettre d'améliorer ma tenue. J'adore ces toiles électriques. Fan de gadgets, hein? Vous me rappelez mon fils. À 5 ans, il démontait déjà la télé. Aujourd'hui, il débloque les téléphones de ses amis. Il pourrait peut-être m'apprendre quelques trucs. Ok. Rien d'illégal à première vue. C'est un peu décevant, non? À première vue. Regardons de plus près. On cherche quelque chose en particulier? Ça fait un bail que ce chantier existe. Dans le temps, il servait à la contrebande. Je vois. C'est le genre à avoir des salles secrètes. Écoutez, vous trouvez pas que ça sonne creux ? Il y a un panneau caché, comme celui de la porte. Les conduites passent derrière. Cherchez une autre boîte de raccordement. Voyons si mes nouvelles lentilles détectent les conduits. Ça a marché ? Non, ça ne doit pas être la bonne boîte. Cherchez encore. Merci. Je n'aurais jamais pu l'ouvrir tout seul. Eh, je n'aurais sans doute pas trouvé sans vous. On a un bon gros rien. Une salle secrète peut en cacher une autre. Vous ne remarquez rien par terre ? Ils peuvent dissimuler les portes, mais pas les marques qu'elles laissent. Cherchez bien, il doit y en avoir d'autres. Maintenant que je sais ce que je cherche, je devrais refaire le tour des lieux. Où il pourrait encore y avoir des marques ? Jackpot ! Des marques, pas de porte. Du moins, j'en vois pas. Super, j'arrive. Ou pas. L'ascenseur est HS. Bougez pas, je vous fais monter. J'aurais besoin d'aide avec l'ascenseur. Ouais, pas de problème. Vous avez trouvé comment faire fonctionner l'ascenseur ? Pas encore, j'y réfléchis.
Premier étage, engrenage rouillé et gros rat des lieux. Attention, le pont est détruit. Ça va aller. Bravo, belle réception et tout. On n'est pas tous des gouffres à donuts. Je vois ça. Encore une porte secrète. Je m'occupe du verrou. Dites-moi quand vous trouvez la boîte de raccordement. C'est en cours. Ça s'est ouvert ? Non. Cette porte doit être reliée à une autre boîte. J'en ai une. Dans le mille. Ni plus ni moins. Voyez ça ? Rien. Je commence à me demander si c'est pas un coup de fisc pour m'embêter. Regardez les murs. Il y avait des armes stockées ici. Ils n'ont pas pu les faire sortir par l'avant. Il y a forcément un passage quelque part. Regardez le mur. Ça contrôle peut-être l'accès à une autre zone. Les hommes de fisc parlaient d'une chambre forte. On est peut-être pas loin ? Il y a des chances. On dirait un double circuit. Essayez de trouver une deuxième boîte de raccordement. Si j'étais une boîte de raccordement, où je me cacherais ? Suivez les conduites, elles vous mettent... Trouvez ! Là ! Bien vu, Jeff ! Une porte cachée ! Génial ! Vous voulez bien m'aider ? Ce truc est lourd. Un, deux, trois. Hein ? C'est pas flippant du tout. Sans doute un ancien tunnel de contrebande. Et a priori, personne n'a fait le ménage depuis Al Capone. Un bloc de béton bouche le passage. Je peux pas passer. Je vais voir à quoi ça ressemble d'en haut. Je peux passer par ici. Bougez pas. C'était quoi, ça ? Le métro, peut-être. Dépêchons-nous. Les murs sont instables. Ok, ok. C'était clairement pas le métro. Non. On aurait dit des explosifs. C'est le son que font les démons. La chambre forte ! Vite ! Allez, dépêchez ! Pas vrai! Les démons sont déjà passés! Comment c'est possible? Il doit y avoir une porte de service. Essayez de la trouver. Ça, c'est de l'armurerie. Ou ça l'était. Apparemment, ils ont pas perdu de temps. Il y a des caisses vides ici. Et ils ont apparemment emporté les autres. Là! Ils ont fait sauter les verrous pour entrer! Restez là. Sûrement pas. À deux, on pourra les arrêter. Sans parler de cela. Ils s'en vont. On va. Allez ! Police ! Stoppez les camions ! Sergeant Harmon ! À couvert ! Bien joué ! Je fais seulement mon boulot. Je tire ! Écartez-vous ! Je recharge ! Ah, bonjour la plume ! Hey, c'est pas moi qui esquive les balles. Je vais paralyser ! Attention ! Je suis presque impressionné ! Attention ! Je le neutralise ! Ouvre ! Merci, c'est pas de refus ! J'ai tiré !
Vous êtes l'homme qui tombe à pic. Je tire! Écartez-vous! Moi non plus, je suis pas tout seul! Derrière vous! Il est KO! Je vais le paralyser! Sont armés dans la même journée, jette l'étoile. Sont des dangers. Si je les arrête pas, ils vont finir par tuer quelqu'un. Je vous retrouve dès que je peux, mais je vous promets rien. Soyez prudent, Jeff. Ne prenez pas de risques. Tuer des piétons. Il faut que je me rapproche. Salut. Il reste une petite place. C'est bon tout. Terminus. La ligne 3 a décidé d'arriver à l'heure. Nous savons à présent que le policier s'appelle Jefferson Davis. Les médecins ont déclaré qu'il souffrait de blessures superficielles qui seront sans séquelles. Pardon, mademoiselle, vous avez le droit d'être ici ? Plus que toi. Après l'histoire de la salle d'enchères, le Bugle m'a mis sur les affaires criminelles, ce qui veut dire que je peux bosser à temps plein là-dessus et sur les démons. Tu sais que plus tu t'approches d'eux et plus tu cours de risques. Plus je m'approche d'eux, plus nos chances de les arrêter sont bonnes. Nos chances ? Agent Davis, Mary Jane Watson, du Daily Bugle. Pas de commentaire. Je vous comprends.
Mais ils raconteront leur version, que vous le vouliez ou non, et ces gens raffolent de la polémique. Et vous, vous cherchez quoi ? Je ne cherche rien. J'écoute seulement. Ok. Allez, montez. Ah, elle est douée, hein ? Oh, je suis crevé. Il est temps de rentrer et de dormir un peu. Empire Sanitation, Eddie, j'écoute. Oui, bonjour. J'essaie de retrouver plusieurs objets qui ont été collectés par erreur dans la benne qui se trouve en bas de mon appartement. Numéro de la benne ? Oui, un instant. Euh, 6, 4, 4, 7, 6. C'est la ligne 33, le camion est déjà parti. Si vos objets sont pas là, on peut rien faire. Non, attendez, s'il vous plaît. C'est très important. Est-ce que vous pouvez me dire où est le camion ? Je regarde ça. Voilà, normalement il devrait être au garage municipal sur Bowery et Grand. Super, merci Eddie. Garage municipal, Bowery et Grand. Pas de problème. Tant pis si je perds tout le reste. Il faut au moins que je retrouve mon speeder disc. Ça doit pas être si difficile de trouver un tout petit disque dur dans un camion poubelle de 30 tonnes. C'est pas possible. J'ai des années de recherche sur ce disque. Tout mon travail depuis le lycée. Bien sûr, c'est fermé. Au cas où quelqu'un voudrait voler des déchets. Mais il y a peut-être un autre accès. C'est pas vraiment une effraction si je casse rien. Si ? Ok, pas de panique. Ils n'ont peut-être pas encore jeté les ordures. Nada. Oh. Ok. Là, je panique. Empire Sanitation, Eddie, j'écoute. Désolé. Est-ce qu'il est possible que le camion ne soit pas au garage ? Oui, peut-être. Ça voudrait dire qu'il est quelque part à Chinatown West. Super ! J'y vais direct. Que ça vaut. Mais les gars se prennent parfois une pizza avant de décharger. C'est vrai ? Je vais vérifier les pizzerias alors. Vous savez laquelle ? Un petit truc indépendant, je crois. Jerry ? Non, ça c'est dans le centre. L'adresse originale, je veux dire. Ah ! Oui. Non, ça commence par un L, je crois. Je crois que je vois les camions. Merci, Eddie ! Pas de soucis. J'espère que vous trouverez. Ok, les camions doivent pas être là.
Non, c'est pas là. Il doit y avoir un autre camion dans le coin. Je t'adore, mec. Allô ? Aucun signe de mes affaires. Oh, mais quelle odeur intéressante. Eddie, vous êtes mon seul espoir. Pas là non plus. Hein. Vous êtes sûr qu'ils étaient ici? Bah les gars, on peut-être changer d'itinéraire à cause du meeting d'Osborne. Si votre collègue était sur la ligne 35, ils doivent être à l'incinérateur maintenant. L'incinérateur? Du côté du pont de Manhattan. Dépêchez-vous. Voilà l'incinérateur! J'espère que j'arrive à temps. Oh oh, ça sent les ennuis. Au secours! Merci, Spider-Man. Vous allez bien? Ouais, merci. Ça fait 2 jours que ce gang sème la terreur dans tout le quartier. Il y en a sûrement d'autres qui vont débarquer. Très bien. Dites, ça vous dérange si je fouille un peu, pour des trucs perso? Non, non, allez-y. Je vais remplir un rapport d'incident. Je crois que c'est ça! Sois ici, sois ici. Oui! J'espère qu'il marche encore. Oh, on dirait que tout est là. Hé, il y a un vieux prototype de gadget. Il est trop cool. Pourquoi je l'ai jamais terminé? Je crois que je peux le faire marcher. Ça y est! Regarde, c'est le type qui se prend pour Spider-Man. Oh non. Tuez-le! Reculez! Il se passe pas exactement comme prévu. Où est-ce que je vais dormir? Je pourrais demander à MJ. Le pont de Williamsburg. La voie qui mène là où j'ai pas les moyens de vivre. Ok. Comment je vais convaincre MJ de me laisser son canapé? Alors, voyons. Salut MJ, c'est Peter. Tu crois que je pourrais dormir chez toi ce... Oh non, c'est trop formel. MJ ! Hey, je passais dans le quartier et... Oh non, c'est mieux. Hey MJ, puisqu'on se reparle, je me suis dit que... Ouais, ok, là c'est carrément pathétique. Ah, pourquoi j'en fais toute une histoire ? On est amis, non ?
C'est normal de squatter le canapé d'une amie. C'est pas bizarre du tout. C'est qu'un canapé. Le canapé d'MJ. Oh. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Super fenêtre. Mais j'ai toujours l'impression qu'il se passe des trucs étranges derrière. J'ai reçu un message. On dirait que l'article d'MJ a été publié. Je trouverai un autre endroit pour dormir. Elle doit avoir du travail. Si seulement Harry était ici, je pourrais aller chez lui. Quelqu'un m'a laissé un message. Le numéro est masqué. Coucou Spidey. Ça faisait longtemps. Je t'ai manqué. Viens à cette adresse. Attrape-moi si tu peux. Oh, je connais cette voix. We got this, Spider-Man. Thanks anyway. Hey. Bon, ça commence à être chaud, la guerre des gangs entre fils et les démons. Je sais. Même Shocker y participe. Il se retrouve à faire des petits boulots pour les démons. Ces types plaisantent pas. Tu crois vraiment qu'ils veulent seulement remplacer Fisk? Rien que ça, ce serait déjà moche. Alors pourvu que ça s'arrête là. Coucou Spidey. Je pense souvent à toi en ce moment. On était bien tous les deux, non? Ça pourrait être sympa de raviver la flamme. Black Cat. Ne me dites pas qu'elle fait du repérage. Elle m'avait promis de changer de vie. Qu'est-ce qu'elle regardait? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel? Elle veut que je trouve quelque chose. Mais quoi? Là! C'est l'un de ces chats. Ils contiennent des amplificateurs qui enregistrent les signaux RFID aux alentours. Je vais dire à Yuri de passer le récupérer. Felicia est trop futée pour se mettre en danger comme ça. Ouais, elle doit avoir des problèmes. Mieux vaut rester vigilant. Dites, Yuri, le costume et l'équipement de Black Cat sont toujours dans votre salle décellée? Je crois, oui. Pourquoi? Elle a rempilé? Peut-être. Vous pouvez vérifier que ses affaires sont toujours chez vous? Pas de problème. Salut, May. T'appelles tard? Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'on devait se retrouver pour dîner ce soir. Ah, c'est vrai. Ah oui, j'ai zappé, désolé. J'ai eu une sale journée. On a perdu le financement du labo. Oh, Peter, je suis désolé. Et en plus, j'ai aussi été expulsé de mon appartement. Quoi?
Et tu as un endroit où dormir cette nuit ? Bah, à vrai dire, non. Pas vraiment. Ça m'embête un peu, mais t'aurais pas une chambre pour moi au refuge ? Bien sûr. Tu peux utiliser le canapé de mon bureau. Merci, Tante May. Quand même plus épanouissant dans la vie que tirer des roquettes sur un gars en collant. L'Empire State University, ce bon vieux campus, est la cause de mon crédit étudiant. C'est marrant, mon vertige n'a pas disparu quand j'ai acquis mes pouvoirs. Pour ça, j'ai dû attendre de monter au sommet de l'Empire State Building. Des individus attaquent un véhicule blindé. Rendez-vous sur Bowery. Qui dévalise un blindé ? Ils cherchent du financement sur le long terme ? Sincèrement, entre nous, vous avez eu une enfance difficile ? Un papa démon trop présent ? Une maman démon négligente ? C'est dingue, j'ai pas dormi depuis l'arrestation de Fisk. Je devrais faire un peu plus attention à ma santé. Dis
Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là si tard? J'espère que le canapé est confortable. Tu me manques. J'aimais beaucoup les chevaux, comme tout le monde à un certain âge. J'étais une vraie tête à claque. On passe tous par une période difficile. Je peux pas accepter. Tu le peux et tu le dois. Je te rembourserai. Bientôt. Demande de l'aide la prochaine fois. Oh, tu ressembles tellement à Ben. Apprends à ravaler la fierté des Parker et accepte d'être un humain. Il n'y a pas de honte. Martin. Pardon de vous interrompre. Je voulais simplement vous dire que je dois m'absenter. Je vous laisse les rênes en mon absence. Oui, vous pouvez compter sur moi. Vous partez pour combien de temps? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a un problème? Ce sont juste des affaires personnelles que je veux régler depuis longtemps. Mais prenez bien soin de cet endroit. Il représente vraiment ce qu'il y a de mieux en moi. Eh bien, il est temps de me mettre au travail. J'espère que Monsieur Lee va bien. T'es sûr que t'as pas besoin de cet argent? Bien sûr. Avec tout mon travail, j'ai à peine le temps de le dépenser, et ça me va très bien. Allô? Hé, hey, t'as vu mon article? Bien sûr. Robbie doit être sur un petit nuage. Ouais, c'est devenu viral. Et devine quoi, Osborne, le maire, vient d'annoncer qu'il allait remettre une médaille à l'agent Davis, cet après-midi. Wow. Eh hey, mais, le meeting de campagne d'Osborne, c'est pas cet après... Ah oui, ça y est, je comprends, ouais. Ouais, c'est flagrant. Mais ça reste un moment sympa pour l'agent Davis et sa famille. Je couvre l'événement. Est-ce que tu veux venir? Ouais, avec plaisir. À tout à l'heure. Peter, je rêvais et j'ai cru que tu étais mon défunt mari. C'est trop humiliant d'accepter l'argent de ton mec. Je devrais aller en ville et essayer d'aider mon prochain. Ces données, le taux de dioxyde de soufre est anormalement élevé. D'après mon intuition d'araignée, c'est sûrement dû à un problème de peau d'échappement. Avec des échantillons, je devrais pouvoir identifier le modèle en question.
celui-là, c'est bon. Ah ouais, je risque ma santé, moi. Pas mal. Encore quelques échantillons. Oh, ça sentait bien mauvais. Allez, encore quelques-uns. C'est bon. Encore un, et ça devrait être bon. Meurs pas, Spidey. Courage. Ça y est. Ok. Nous avons apparemment trois coupables. Je vais devoir prendre des photos maintenant. Ah, la photographie. Comme au bout. Et d'une. Jamais 203. Et voilà. L'ordre de rappel devrait bientôt suivre. Merci l'araignée sympa et éco-responsable du quartier. Salut Jeff. Félicitations pour la cérémonie.